Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Schéma T2 qui m'avait commencé. Et si je te rappelle bien la vidéo précédente, la leçon numéro 26, j'ai fait une question sur le graphe 7 et là, à la fin de la vidéo, j'ai expliqué que la partie automatisme du syllabus de Schéma T2 est et la partie schéma électrique, démarrage des moteurs asynchrones et les moteurs à courant continu, la variation de vitesse, ça aussi nous compléter. Et maintenant, nous allons rentrer de la partie électronique. OK? Et la partie électronique, on peut commencer par faire une ben numération système de numération ou, ou, ou ça, c'est ce qu'ils appellent number systems » en anglais. Et nous en prenons ça, bon, dans mon époque, nous en prenons le « number system » dans 6 sixième ou bien le ok Et à l'âge de 9 ans, dix ans, tiens, on a aussi la bosse et les chiffres, les « binary digits ». Nous en prenons ça à l'école primaire. Et puis, nous en prenons aussi dans... Le programme de mathématiques forme 3, forme 4, forme 5, etc. OK Et là, moi, je viens document et je bien comprends que la numération décimale, OK Et c'est la façon qui nous a déjà compté. OK Et mon cas, il ça. La façon dont nous avons compté, et par exemple, un chiffre, nous prenons n'importe quel chiffre, nous disons 1043. Ok. Base 10 est égal à n fois 10 fois 1000 plus 0 fois 100 plus. 4 fois 10 plus 3 fois 1. Et ça, si nous gagne bien, dit n fois 10 à l'absence de 3, plus 0 fois 10 à l'absence de 2, plus 4 fois 10 à la puissance de 1, plus 3 fois 10 à la puissance de 0. OK Et là, nous vous dire que ça, ça, c'est chiffre de poids. fort. Et ici, c'est le mot chiffre de poids. Faible. OK. Mais pour chiffre en décimale, nous capables de casser comme ça, veut dire un addition, un somme de d un, d un coefficient multiplié par un certain... Euh, 10 à la puissance de un certain chiffre. Okay? Ça veut dire ça fois 10 absent de 3, ça fois 10 à la puissance de 2. Nous ne pouvons pas représenter ça. Nous ne pouvons ça comme ça. Et nous n'en prenons pas ça. ça fait là, si ne pas tromper, la 6 maintenant, on peut faire 5e, 6e. Okay? Et ça chiffre-là, parfois, on l'appelle digit. Et notre service, en mot anglais, digit là. Bon, qui fait un digit parce que à l'époque, je fais compter par les doigts. Et les doigts, un de nom pour lui c'est « digit ». OK Et c'est ça l'origine du mot « digit ». OK Et là, maintenant, moi, je suis capable de continuer avec la chiffre-là. Je vais mettre, par exemple, un décimal point, point décimal. Je vais mettre 5 là. Je vais mettre 6 là. Et là, là on va continuer parce que on peut diminuer ça. 10 élevé à la puissance de 3. Ici, 10 élevé à la puissance de 2. On peut diminuer la puissance par 1. OK? Et si ici, on peut diminuer par 1. Ça veut dire pour 3, ici, ici pour 3 fois non, 5 fois 0.1 plus 6 fois 0.01. Okay. Et là, dit par 1, la puissance 5 fois 10 à la puissance de moins 1, plus 6 fois 10 à la puissance de moins 2. Et c'est comme ça qu'il me représente sa chiffre décimal là en ben, coefficient multiplié par 10 élevé à la puissance de un, de, de, de un, de un chiffre. Okay. Et c'est ça qu'il m'a expliqué ici. Le système de numération décimale utilise la base de 10. Et n'importe quel nombre dans ce système peut être peut-être représenté comme une série de puissances multiples de 10, par exemple, le nombre. Bon, il y a un petit, petit problème ici, là. Il y a un petit problème ici. Et c'est que... Peut-être... Peut-être que peut je vais ici. Ça, ce base ça, et, et pas qu'on ait une vigne comme ça depuis, la, depuis le dessin, dessin ça. et nos fils, ok, ok, vous montrez que ce base ça. 345 base 10 se compose de 3 fois 100, 4 fois 10, 5 fois 1, ou bien 100, c'est 10 à la puissance de 2, 10 élevé à la puissance de 2, plus 4 fois 10 élevé à la puissance de 1. Plus 5 fois 10 élevé à la puissance de 0. OK? Et là, c'est un autre chiffre qui m'en ajoute euh, un peu pédécimal. OK? Et là aussi, ça utilise un en fait comme ça. en fait comme ça. 345,45 base 10. Mais la base, la base, il vit dans un chiffre là. Et là. On va mettre ça là pour montrer que ça va. OK. Et là, là, arrive là. Plus, ça veut dire que ça reste pareil, Ça passe aussi de la respire. Et ça part aussi de là, 4 fois 0.1, plus 5 fois 0.01. Et là, 4 fois 10 à la puissance de moins 1 élevé à la puissance de moins 1, plus 5 fois 10 élevé à la puissance de moins 2. OK. C'est la façon dont on casse n'importe qui chiffre en reforme. Okay. Et là, il y a une remarque là, qui dit à nous, bon, malheureusement, le système décimal est difficile à adapter aux mécanismes numériques. Par exemple, il est très difficile de concevoir de l'équipement électronique qui puisse fonctionner avec dix niveaux de tension différents. 1 pour chaque caractère décimal 0 à 9. Vous avez compris que le, que le système décimal est dans 10 chiffres de base à 0 à 9, et puis il est là les répéter. Il répéter. comme ça 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis il est là il répéter 1 et 0. Ça vient ensemble, il a 1 et n un il y a des comme ça, et nous n'en prenons ni comme ça. Mais ce bon, chiffre de base, il pas un à 10, il est 0 à 9. OK. Et pour nous servir ça dans bon système électronique, dans bon système numérique, et, il est très difficile parce que, bon, il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible, mais il complique les choses. Il complique les choses. Chaque chiffre bien représenté par intention, ça veut dire, elle est là, la place, par exemple, le système... Binaire, moi j'ai un, un, un low level, moi j'ai un high level, okay. 0 ou 1, 0 volt ou bien 5 volts, etc. Ici, moi j'ai besoin de 0, par exemple, si moi envie 10 niveaux jusqu'à 5, 5, 5, 5 volts, moi besoin 0, 0.5, 1.0, 1.5, 1.5, et là, moi j'ai besoin 10 valeurs. Et il n'est pas trop facile pour moi travailler avec ça n'est pas impossible, mais l'est difficile, il complique ou quelque chose euh, qui m'ont pas envie, m'ranne là-dedans. Ok? Ben design-up, pas envie d'avoir un système décimal pour un ben, circuit électronique. Je préfère. Dire donc, nous sommes conduits à étudier d'autres systèmes de numération qui sont compatibles avec les circuits électroniques. Ok? Et il est très facile. D'imaginer des systèmes électroniques simples et précis qui fonctionnent seulement avec deux niveaux de tension, Comment on explique cela là, 0 et 5 volts, ou bien un low level et un high level. OK? C'est la raison pour laquelle la plupart des systèmes numériques ont recours au système binaire, nous servit base 2. Et base 2, bon, à l'époque, mais moi, mon prend dans cinquième, sixième, 6e, pourquoi on finit de mentionner ça avant? Et aussi, nous empruntent ça dans, dans, dans le collège. Et là, nous, nous pourrions en prendre. OK? Et la base 2, et que, comment nous servir aussi? Comme système de numération de base pour ben, opération électronique. Et parfois, ça, c'est un ben, ben, système de base, numération de base. Parfois, nous servirons ben, le, les autres systèmes de numération qui ont une relation avec base 2, bien sûr. Okay? qui est une relation avec sa base de là. Mais c'est il y a une, le système de numération. Okay? Nous avons la base 8, nous avons la base 16. Okay? Et base 8, par exemple, longtemps, bon, c'est là aussi nous maintenant, nous avons un microcontrôleur 8-bit. Nous appelons ça 8-bit microcontrôleur. Ça veut dire, tu as l'information, tu as le code, tu commande quand programme programme le microcontrôleur, et l'information, tu et la mémoire, et li les... Il y a 8 bits. Okay? 8 bits, ça veut dire 8. Comment on peut dire et Ça veut dire 8 bits microcontrôleur. Ok Tout sur l'information. Si on a pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et il y bien n'importe qui. Carré à n'importe capable de 0 ou 1, ça veut dire, c'est ça nous appelle 8-bit microcontrôleur. Tout sur l'information, il est li, li en forme de 8-bit. Si mon on n'a pas bande de aussi, il est en forme de 8-bit. 8-bit plus 8-bit, etc. Là, là nous avons besoin le, le, le système de numération octal, octal veut dire eh, 8 décimales, ça veut dire 10, Binéa veut dire 2, base 8, là. là. Okay. Nous avons hexadécimal aussi, base 16. Et nous avons le système de numération binaire. Nous avons le système de numération décimale. Nous avons le binaire. Le binaire, il y a deux symboles ou deux chiffres possibles, 0 ou 1. Okay. Et ça veut dire mon y a un chiffre, n'importe quel chiffre. Par exemple, ici, nous avons N01, n, point. Nous avons un point binaire aussi, ça a aussi existé. Peut-être la première fois que vous avez trouvé ça, je. Et comment mon point décimal, mon capable, et un point binaire aussi. N01.N01 N, base 2. Et mon capable décompose, dit comment mon décompose, avec un chiffre de décimal. Okay? C'est-à-dire, ici, là, mon capable fait 1, ça, 1 là, fois 10 à l'absence de 0. Pas 10 fois 2 à l'absence de 0. Plus. Je ne rien là. Bon, rire. N fois 2 à la puissance de 0, plus 0 fois 2 à la puissance de 1, plus 1 fois 2 à la puissance de 2, plus 1 fois 2 à la puissance de 3. Et non, il rien non, non. Et ça veut dire ça, c'est 0, ça, c'est 1. OK? Et je vous corrige, bien sûr, moi pour uploader le document. Okay. Et plus, parce que mon point binaire ici, plus n fois 2 à l'absence de moins 1, plus 0 fois 2 à l'absence de moins 2, plus 1 fois 2 à l'absence de moins 3. Et c'est comme ça qu'il me décompose sa chiffre binaire là. Et ici, bon, c'est un chiffre de poids faux. En anglais, poids appelle ça bit parce que. Ça aussi bit, ça veut dire c'est un binary digit et nous service à certains français là et en anglais c'est the most significant bit et ici c'est the least significant bit, ok Mais ce qui est important ce qui est important, ben, bon, je bien comprendre capter un chiffre binaire, capter un chiffre décimal, mais pour le coût électronique, je bien capable de convertir qui, chiffre binaire en un chiffre décimal, et je bien capable de convertir un chiffre décimal en un chiffre binaire, ok? Et là, je parle vous tableau va le montrer ça. Si mon un chiffre Décimale. Nous prenons 53 par exemple. Nous okay. prenons l'exemple qui m'est là-bas plutôt pour, pour nous connaître. Est-ce qu'il est, qu est bon? Conversion décimale binaire 25. Il prend. OK. Nous prend 25. 25 base 10. Nous avons envie de convertir en chiffre binaire, en base 2. Et n'importe quel chiffre. Qui base, hein? ça veut dire mon depuis décimal, si mon envie converti en base X, n'importe, pas seulement binaire, n'importe qui base, base 2, base 3, base 4, base 5, base 6, base 7, base 8, n'importe qui base, mon besoin fait un, un système de répétition de division. Par sa nouveau base. Par x. Dans le là, x est égal à 2. Et nous avons un groupe. Et divisé par 2. Je vais 12. 12 fois 2, 24. Je vais mettre 1. Et là, 12 divisé par 2. Ça veut dire répétition de division par x dans le de là, x est égal à 2. Et 12 divisé par 2, je vais 6 remainder 0. 6 divisé par 2, je gagne 3. Remain 0. 3 divisé par 2, je gagne n, remainder 1. Du moment que je gagne 1 ici, ok, et mon suis correct. Et là, mon lien depuis ici. Moi, je ici. Moi, je lis à la haut, et là, je dis à la, le 25 à l'absence de 10 est égal à n, n, 0, 0, n, base 2. Et mon capable, par exemple, si mon envie, n, n, 0, 0, n, base 2, convertit en base 10, et là, je connaît que ça représente n fois 2 à l'absence de 0, ça représente 0 fois 2 à l'absence de 1 ça représente 0 fois 2, absent de 2, ça représente n fois 2, absent de 3, ça représente n fois 2, absent de 4. n fois 2, absent de 4, 16, ça vient 8, 0, 0, 1. 16 plus, plus 24, 24, plus 1, 25. 25, 25, là. Alors, il y nous conversions, bon, ok. Et ça, ça chiffre-là, c'est la bonne réponse. Et nous, on là-bas nous, nous avons un N, N, 0, 0, N. Ça, c'est le significant bit là-haut, le significant bit en bas. OK? Et pour me convertir n'importe qui chiffre binaire en décimal, et mon service à expansion, là, je représente, ça veut dire, je multiplier le chiffre binaire, le digit qui est ici, par ce, ce poids. Ce poids de Rakala, c'est 2 à l'absence de 0, 2 à l'absence de 1, 2 à l'absence de 2, 2 à la puissance de 3. En fait, la Française nous il y a 2 élevé à la puissance de 3. Bon, pas forcément, a 2 à l'absence de 3 directement. Hein? Okay? 2 élevé à la puissance de 5. N fois 16, N fois 8, 0. Enfin, n'importe qui, ça fait 0. N fois... Bon, ça, c'est rien. La aussi est rien n fois 2 c'est 2 et ça c'est pas une erreur qui m'a besoin corriger ok ça c'est un 2 ok n fois n c'est n ok n fois 2 c'est 2 et il a une 16 plus 8 24 24 plus 3 fait 27 et le la réponse est bon mais ici pas bon ok ça c'est un 2 Okay. Et il n'a pas permettre de corriger directement le document là parce que c'est parce que un, un dessin. Hein? Mon print-screen, mon envoyé ici, là, il y, y a un problème. Beaucoup bon, de gens s'écourir corrigé dans Paint. OK. Ça veut dire là, mon fini, ça part aussi là. Conversion décimale, binaire, conversion binaire, décimale cela nous le système de numération octale. Le système de numération octale est d'une très grande importance dans l'utilisation de l'ordinateur numérique. OK, la on a 8 bits, 16 bits, 64 bits, 32 bits, c'est ben, ben. multiple of the octal system. OK Et ce système a comme base 8. Oui, ça veut dire ce base est 8. Et là, ce, man, ce man chiffre qui y en a à l'intérieur, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, là, nous peut représenter ce poids. fait comme on dit, il y a 8 à la de 0, ici, par exemple, il y a 2 à la puissance de 0, ici, il y a 8 à la puissance de 0, 8 à la puissance de 1, 8 à la puissance de 2, 3, etc. Et bien sûr, on a un point octal, là, on peut ce un côté et une fraction là, 8 est l'absence de moins 1, 8 absence la l'absence de moins 2, 8 est l'absence de moins 3, 8 est l'absence de moins 4. OK? Et on a deux affaires, conversion octale décimale, conversion décimale octale. Nous avons 5. Bon, Bien sûr, nous prenons le chiffre qui est 3728 octale. octale. Octale en décimale, 3728. En deuxième page, on vais dire 3. 728. En fait, ce n'est pas 3728. Hein. Nous ne pas capable de dire ça, 3728. Mais nous avons un chiffre pour dire. Nous prendre un terme pour dire. Nous avons besoin dire 3, 7, 2, 8, base 8. 3, 7, 2, 8, base 8, c'est 3 fois 8 à la puissance de 3. Plus 7 fois 8 à la puissance de 4. Plus 2 fois 8 à la puissance de 2. De 1. Oh, non, ça vient de 2. Ça devient 2, ça vient 1, plus 8 fois 8 absent de 0, ça venir 8, 2 fois 8, pour venir 16, 3, 7 fois 64. J'ai mon calculatrice. Bon, bien sûr, il y a une calculatrice qui convertit ça directement. Bon, Je ne sais pas si vous avez une calculatrice là, mais quand on me pose la question dans l'examen, je vais vous montrer ça en working là montrer mon working lab, n'est pas de, a de moi répondre directement, je ne vais pas bouger un point qui est bien sûr. Okay. Je vais bien montrer mon working lab, et là, je vous un full marks. Ça veut dire là, il y a une 7 fois 64, je bouge 448. 448, et ici, c'est 3 fois 8 à l'absence de 3, 8 à l'absence de 64 fois 8, 64 fois 8, c'est 512. Et 3 fois 512, mon gain 1536. 1536 plus 448 plus 16 plus 8. Mon gain 2008. Et c'est comme ça qui base. Le ben, disque pablier mentionne la base. Et la balle à nos et là-bas, c'est un autre problème. Hein? Okay? Ça veut dire, là, il ne pas de 3, 7, 2, 8, base 8. C'est seulement ici, ça, ça, c'est ça, la base. Okay? Ça veut dire, n'oubliez pas même, pas même, pas même, pas même question. Ici, là-bas, je suis bien, parce que, bon, bien, corriger, bien sûr, 3, 7, 2, base 8. Moi, je moi, prends 3, 7, 2, 8, base 8. OK, bien les différents. Si nous prenons ici 3 fois 8 à la puissance de 2, plus 7 fois 8 à la puissance de 1, plus 2 fois 8 à la puissance de 0 à via les vignes, 2. Plus 7 fois 8, 7 fois 8, 56. Plus 3 fois 64, 3 fois 64, 3 fois 64, c'est 192. 192. Plus 56. Plus 2. On gagne 250. 250. Pas oublier, mentionne, base 10. OK. Et 250, base 10. Conversion décimale octal 266, base 10. Et là, on ne réfénère encore. mon 200, non, 250, base 10. OK. OK. 372, base 8, pas exister hein. 3, 7, 2, base 8. Et là, il a un autre affaire, 266, 266, base 10, convertir en octal. Et n'importe qui chiffre, base 10, mon diazote, pour nous convertir en n'importe qui base, répétition de division par la base. OK? Et 266. OK? Divisé par 8. Et là, mon cas, c'est une calculatrice. Hein? 266 divisé par 8. Mon gain 33. Whole number. Après, mon gain 0.25. The remainder. Pour mon compte, the, the, the remainder, il 33.25. Mais ce 0.25 là, mon besoin de chiali là-dedans. Mon élimine là-dedans. Mon multiplier par 8.25 multiplié par 8, on gagne 2, 2, et là, je connais ça, c'est son remainder. 2. OK Et on je divise par 8, assez facile, 4 remainder 1, et là, infinie vine moins qui 8, ça veut dire le chiffre en base 8, c'est 4n2 base 8. 266 base 10 est égal à 4n2 base 8, ou bien 4n2 octal. OK Et 4n2 base 8. Okay. Et à ah, cela, conversion octale binaire, ça, il est intéressant. On va faire ça. Conversion octale binaire. Conversion octale binaire ou bien binaire octale et deux. Et là, je vais mettre zéro n 2, le chiffre octal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puisqu'il y a 8, si on représente ça en biné, il y a 3 bits. Ça veut dire l'époux, par exemple, là, 0, 0, 0. Et ici, l'époux n n n OK Et pour le mon mon chiffre à l'intérieur, bon mon, par exemple, mon cas, il y a 0, 0 n 0 n 0 0 n. À chaque coup, moi j'ajoute n x binary digit si là. OK? N 0 0 n 0 n 0. 1, 0, 1, 0 1. Ou bien, si mon envie, mon vais faire dit comme ça, on va mettre 4, 0, 4, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et comme ça, on peut ajouter chaque coup cook, on fait, là. Et directement, l'Ibouvine a l'autre qui vise là. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À ce stade là nous prenons n'importe qui chiffre. Nous prenons n'importe qui chiffre, par exemple, ici, c'est nous convertir 4, 7, 2, base 8 en chiffre binaire. Convertir. 4, 7, 2, base 8 en chiffre binaire. Bon, bien sûr, je suis capable de convertir ça en base 10 avant, et puis base 10, je vais faire base 2. Divin plus long mais je vais la même réponse seulement. Mais, octal, pour binaire, directement vais directement par son équivalent dans sa table. Là. Par exemple, 4, mon rode 4 côtés, divine N00. 0. 7, mon rode 7 côtés, n n. 2, mon rode 2 côtés, living 0N0. Et là, divine base 2. Directement, mon caparrafe a on ne peut pas besoin passeport comme ça. OK. Et si moi n chiffre binaire, N, N, 0, N, N, 0, N, N, 0. Si moi, maintenant, on pouvait faire 8, octales. Ça veut dire, là, je viens diviser en nombre de 3 avant. 3 bits, pas 3 bits. 3, 3. Et dans le là, l is, l is ça. Mais fait que moi, dire que un N ici. Ou bien, je viens un coin ici. Et là, je peut diviser ça et ici, on met 0. Je fais un group, livre Je complémente ça, mon chiffre qui manque là, mon digit qui manque, mon bannier digit qui manque là, par N0. Okay? Alors, vous remplacez NN0. NN0 c'est 6. NN0 c'est 6. NN0 c'est 6. Pff, incroyable. 0 NN c'est 3. C'est 3, 6, 6, 6, 6, base 8. Et c'est comme ça qu'ils m'ont converti. Octal en binaire et binaire en octal. Ok Mon sens base. Ok Et par exemple, ici, mon n, n, 0, n, n, mo fait, mo, de, de, mo ici, 0, n, n, 0, n, n, 0, n, Et ce qu'il vous faut faire, vous prenez ici, mon groupe 3, 0 nn on prend les filles ici, mon groupe 3. Il y a une 0 nn, il y a l'em comme ça. Il y a une 0 nn. Et dernier, il y a nn, mais mon, mon complément pas 0. Pour les trois chiffres binaires. OK. Et là, 0 nn, c'est 3. OK. On remplace 3, 3, 3, 3, base 8. OK. Ça, c'est la conversion octal binaire. Et. Octal, décimal, décimal, octal, et... binaire, décimal, décimal, binaire. Ça, c'est des classiques. Et ici, octal, binaire, et nous citrique, nous avons converti directement. Si nous avons la table, bien sûr. Et la table, nous avons directement. Bon, c'est là maintenant, système de numération hexadécimale, un autre système qui m'a servi. Et le système hexadécimal sur base, c'est 16. Okay. A comme base, 16. Non, une V ça. A comme base, 16, 16, ce qui implique 16 symboles possibles. Et comment la base, base, ça, base 8, nous représente, saman, 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 Chiffre décimal là, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour un chiffre 1 à 7, là, pour un chiffre binaire. Bon, de 3 bits, ici 0 à 16, 0 à 15, 16 bits en tout, 0 à 15, 16 chiffres en tout, pas 16 bits, 16 chiffres. Et mon capable représente ça par 4 binary digits. Ok, et si nous voulez bien, ça, quatre banneries et là et là, c'est facile pour nous, pour nous, pour nous dire, pour nous gagner un pour nous montrer les autres les, Et nous, nous faisons bien sûr, nous faire nous faisons d'accord, nous mappons tout ça là. Et parce que, et non, c'est chiffrant tout. Vous mettez 8-0, non, ouais, 8-0, 8-1. Et là, là, vous mettez

et là, ça vient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais bon, ça, c'est mon chiffre décimal. Hexadécimal. Bah, 16, il vous 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nous payons un 10 d'abord bah, 16, enfin nous payons N0, mais après, mais 10 directement, il vous compte comme, comme A, OK, ça vient B, ça vient C, ça vient D, ça vient E, ça vient F. OK. OK, et, et ça c'est les 16 chiffres. De, de la base hexadécimale. Là, moi, vers... Et c'est ça qui me montre dans la table-là. Et là, conversion hexadécimale pour une décimale, bien sûr, nous en expand, Par exemple, 3A56 base 16, nous étions 3A, un chiffre hexadécimal. Hein? 3A 56 bas 16. Et ça, c'est 6 fois 16 à la puissance de 0. Ça, c'est 5 fois 16 à la puissance de 2. Ça, c'est A. A fois 16 à la puissance de 3. Ça, c'est 3 fois 16 à la puissance de 4. Bon, A. Bien comprendre, je ne suis pas capable de multiplier pour moi, je comprends On dit directement. Je fais une décimale ici, 10 fois 16 à l'absence de 3, parce que je n'ai plus envie de convertir ça en décimale. Comprends, comprenez? Hein? Et ça vous une 6 plus 5 fois 16 sur le square? Non, 5 fois 16 à l'absence de 1, ça. Hein? 1, 2, 3. Okay. 5 x 16, 5 x 16 c'est 80, mon hein? point. 5 x 16, 80. Plus 10 x 16 x 16, 10 x 216. 16 x 16, c'est 256 x 10, 2560, 2560, plus 16 à la puissance de 3, 16 à la puissance de 3. Multiplié par 16, multiplié par 16. 4096 fois 3, mon gain 12 288, 12 288, plus 2560, plus 80, plus 6, mon gain 14 934. 14 934, base 10. Est-ce que c'est ça qui va me là-bas? 14 14934 base 10, ok. Et si mon envie, par exemple, convertir décimal maintenant en hexadécimal, mon ai n'importe qui chiffre si on a pour convertir décimal en n'importe qui base base x, répétition de division par la base, répétition de division par x et dans un cas là, x est égal à 16. Et nous étions. un coup, 423. 423 divisé par 16. Moi aussi, avec mon calculatrice, vous voit pratiquement. 423 divisé par 16, je gagne 26 points. Quelque chose, point. Je gagne 26 4, 3, 5. 3, 7, 5. Ce qui me fait, je retire à 26, là. Je 26 là. Je gagne 0.4375. 0,4, 7, 5. Je vais par 16, je vais ça, il ici là. OK? Ça veut dire 0,4, 3, 7, 5. Multiplié par 16, moins 7. Et là, mon 16, mais là, on connaît 26 divisé par 16, 1. Remain de 10. Mais 10 n'a pas existé, dit A. Dans la dans, table 10, c'est A. OK? Parce que nous allons vers l'hexadécimal, ça veut dire mon réponse, c'est n à 7. n à 7, base 16. N okay, à 7 base 16. Bon, conversion hexadécimale binaire, les pareil, pare, comment Même système qui, même, même principe qui, octal, binaire, binaire, octal. Ça veut dire, mon rode, l'hilo à table. mon une table je connais, connaît mon destructeur, comment dire la table ta là. Et là, ici, à la place qui, casse bande chiffre là en, en 3 bits, ici, vous casse le en 4 bits. Nous prenons un exemple. Ici, nous avons 9F2. Bon, nous prenons un autre exemple. Parce qu'il me désigne un chiffre là ici. Nous prenons. Ça veut dire 6, 7, A5. Pas bah, 16. A envie de convertir si ça en binaire. Ce qui me fait mon rôle de 6 là. Il 0, n, n 0. 6, c'est 0, n, n 0. 7, c'est 0, n. n, n en, en A, c'est n, 0, n 0. Et 5, c'est 0, n, 0, n. OK? Et là, on finit convertir ça en binaire. Base 2. Et mon capable élimine ça 0 là-bas devant. Ok, et à ce stade-là, si j'ai envie de convertir un chiffre binaire, N, N 0, 1, N, 0, 0, 1, N, 1, 0, 0, 1, N, 1, 0, j'ai besoin en groupe de 4 bits, ça fait le premier 4, et là, mon compte compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et là, N2, bon, c zéro, on ajoute des zéros, on dit. Et 0, 0, N, N, c'est 3. OK. biné à pouvoir une hexadécimal. Là. 0, N, 0, 0. 0, N, 0, 0, c'est 4. 0, 0, 1, N, 1, 0. 0, N, 0, c'est 6. C'est 6. 0, N, N, 0, 0 c'est 6. Et ça chiffre-là, ça chiffre-là, base 2 est égal à ça, base 16. Ou bien parfois, à la place de base 16, ben là, on va mettre hex montrer hex, hexadécimal. OK. Et ça maintenant, il termine sa première partie de, du cours de schéma sur l'électronique qui nous appelle numération et représentation des nombres. Il y a il est important, hein? important qui nous comprend, qui nous bise et non les autres. Système de numération pour nous travailler avec un circuit électronique autre que le système décimal. Ok, et là nous nous pouvons faire, nous pouvons choisir, bon, nous ne choisir, nous peut servir le système binaire, le système octal, le système hexadécimal. Et bien sûr, le circuit électronique n'est pas servi, un système de numération. Il servit aussi de ben, code. Et dans la, dans, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu. Et c'est un certain code qui le circuit électronique servit pour le pour travail. OK? Et là, je termine la vidéo. Et moi, j'espère que je ne comprends Et Et any question, je te fais moi connaître, je te poste un commentaire ou, ou, ou point d'autres moyens, par mail, etc. Au revoir et à la prochaine vidéo.